OK, voici des étirements. Voici une gamme d'exercices pour renforcer autant le dos, toutes les structures. Donc, on commence par les fameux push-ups. Allez-y, que ce soit facile. Placez-vous à genoux. Descendez les bras à 90 degrés pour commencer. Quand vous descendez, les coudes doivent faire un angle de 90 degrés. Si vous descendez plus bas, c'est beaucoup plus dur pour les articulations. Donc, si vous avez des craquements, si vous sentez que c'est sensible, il y a une douleur, faites le mouvement plus court. Faites-le plus petit. À la limite, rapprochez vos genoux seulement pour avoir le poids du haut du corps sur les mains. C'est un exercice qui va faire renforcer tout le haut de votre corps, puis éviter d'avoir des blessures au niveau des coudes, des tendinites, tout ce qui a rapport avec les douleurs articulaires. On veut renforcer, on veut y aller doucement. On veut créer du mouvement. Donc, vous en faites 8. On les fait lentement, on inspire profondément et on expire. On crée un renforcement pour le haut du corps. Donc, c'est bon et pour le cou et les épaules, les omoplates, la poitrine. On renforce. Ensuite, on se place de côté. On vient travailler la hanche. Les problèmes de bas de dos, hernie discale, si vous faites des mouvements de côté pour renforcer les muscles de la fesse, vous allez avoir un meilleur soutien pour le bas du dos. Si vous voulez avoir un effet, quand vous avez une douleur, une hernie discale ou une douleur au bas du dos, au lieu de faire juste l'exercice, vous en faites 8 toujours, au lieu de faire l'exercice comme ça ici, vous allez aller chercher la position de la jambe. Si vous allez plus vers l'avant, vous allez sentir ça fait mal. Si vous allez vers l'arrière, ça fait mal aussi. On va chercher un point de douleur qui est inconfortable, mais qui n'est pas agressant. Donc, vous allez trouver le point, juste en gardant la position comme ça ici, vous allez sentir si vous allez placer la jambe plus vers l'arrière ou vers l'avant. Vous allez avoir un effet sur l'hernie, sur la vertèbre qui crée une problématique de douleur. Vous allez garder la position, vous allez faire des cercles, autant dans un sens que dans l'autre. Mais dès que vous fatiguez, vous n'êtes plus capable. Quand les muscles ne tiennent plus, on arrête, on prend une pause. On change de côté. Une chose, on vient travailler de côté. On travaille les muscles de la hanche. On renforce tout le bassin, ça soutient. Si on a une douleur, on va chercher vers l'avant. On place la jambe, on va sentir qu'il y a un point. On peut y aller vers l'arrière, même chose. On garde la position, on fait des cercles dans un sens et dans l'autre. Dès qu'on fatigue, quand les muscles sont plus capables, on arrête, on prend une pause. Pour relâcher les muscles qu'on vient de travailler, on se couche sur le dos et on étire. On garde la position. Toujours l'idéal pour moi, pour avoir un meilleur effet d'étirement au niveau de la hanche-fesse, je préfère avoir un foam sur le coccyx, sur le sacrum, pardon. On garde la position et on étire. Cet exercice-là est bon pour les douleurs dans l'aine. Avant d'aller dans la douleur, on vient travailler les muscles extérieurs. Ensuite, on va aller travailler les muscles à l'intérieur de la cuisse. Si vous avez une douleur dans l'aine, l'exercice de renforcement, c'est de placer une jambe au sol, on se tourne de côté et on lève la jambe. Pas besoin d'aller loin. Il faut sentir qu'il y a un effet de fatigue à l'intérieur de la cuisse. Si vous avez une douleur dans l'aine, insistez pas trop longtemps. Faites le mouvement plus court, faites des plus petits mouvements. Vous allez seulement faire des mouvements légers de haut en bas.
j'allais faire des cercles dans un sens et dans l'autre sens. L'intérieur de la cuisse, on vient renforcer quand on a des douleurs à l'intérieur, mais aussi toujours pour le dos. On veut travailler toute la musculature de la cuisse dans tout son ensemble pour avoir un bon soutien au niveau du bassin. Si nos jambes sont fortes, si nos jambes sont souples, bien entraînées, le bassin et le bas de dos vont s'en porter mieux. Donc les douleurs à l'intérieur de la cuisse, le renforcement, c'est les exercices comme celui-ci. Et aussi comme celui-ci. Ces exercices-là, ils vont créer de la fatigue musculaire rapidement. C'est rare qu'on les entraîne. Donc, vous faites deux séries de 8. Pas plus que ça pour commencer. Graduellement, vous en ferez jusqu'à 15 pour ensuite rajouter des séries si vous voulez avoir un effet d'entraînement supplémentaire. Toujours pour le bas de dos, vous allez vous procurer un ballon. Le ballon ici, très utile pour travailler avec un bon support. Vous allez soulever les bras et on descend. On travaille avec le corps. C'est le mouvement de notre tronc de haut en bas qui fait travailler les muscles